Salut la team Colibri! Aujourd'hui dans cette vidéo, l'isolation des murs en la chambre avec la pose du pare-vapeur. Parce qu'ils ont décidé de sortir de la matrice, ils construisent leur antidote pour entrer dans le monde réel. Premier panneau de chanvrelin. La question, c'est est-ce que ça va se tenir tout seul correctement? Oui, bonne raison. Pour des moments. Les gens qui sont passés en 4-4, ils ont mis 240. 280. Ça a l'air tour ou pas? On n'en a aucune idée. On verra une fois sur place, je pense. Et puis, après, on peut prendre le bateau à différents endroits. Nous, l'idéal, ça serait de ne pas avoir beaucoup d'heures de bateau. Avec de la terre partout. Non, 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 ils voulaient pas du tout qu'on prenne l'argent, on va vous le faire et tout. Je crois, non, ça me gêne et tout. Voilà, on est tombé sur des gens adorables. Et maintenant, ici, oui, c'est des bandits. De toute façon, tous les voisinages qui nous connaissent sont devenus des bandits. Ouais, quoi. C'est vrai, c'est vraiment extrêmement. Tu me files un peu une petite bourre, le tas de bourre qu'il y a par terre là. Pour les vêtements, ils nous envoyaient des vêtements, tout ça rangé, trié, qu'on aurait pu donner aux filles de notre voyage en Afrique. Donc ça tombe pas à l'eau, ça, bien sûr. Je pense qu'on pourra avoir une adresse au Maroc. Après, comment faire? Est-ce que ça s'envoie bien au Maroc? Et des colis, c'est pas lourd, les colis d'Abi on va. C'est moins lourd. Allez, c'est juste que ça se tienne. Hein, ça reste déjà dit. C'est volumineux. Mais... Donc, on va, comme vous pouvez voir, on a bien avancé le chanvrelin. Et là, on va mettre le pare-vapeur parce que vous voyez au plafond, ça tient pas bien. C'est pas facile. Donc on va s'attaquer au pare-vapeur. C'est pas la partie la plus simple, mon avis. Thank you.
Donc le pain vapeur, c'est de l'Intello Plus de chez Proclima. Donc c'est un des plus performants, il a une perméabilité assez importante. Donc voilà, et là on est en train de l'agrafer. Après, il va falloir scotcher toutes les vis pour qu'il soit vraiment normalement tout fermé en même temps, je crois. On a fait comme ça à la maison, je sais que la maison elle est... elle a pas fait le test de WC ou l'imperméabilité à l'air, je sais pas comment on dit ça. Mais elle est bien. Quand on allume la haute, ça ferme la porte. Voilà, ça ne sera pas le cas parce qu'on va faire des ventilations basses et que les lanternes vont retourner en ventilation haute. Mais... histoire quoi, là, s'il y a moins d'humidité, qu'elle passe pas à n'importe où. Une barre d'agrafe. Et une barre d'agrafe, une. Tiens-le un peu en bas. Bonjour tout le monde, je vous dis bonjour parce qu'il est pas tard et il est 7h du matin. On vient continuer l'isolant. Alors hier soir, j'ai dû passer des gaines qu'on avait mis tous en pare-vapeur avec Alice. Heureusement, j'ai pas mis les petits contreplaqués pour renforcer parce que hier soir, j'ai dû dégrafer quelques endroits, j'avais oublié de passer quelques gaines. On a dit qu'on passait tout en apparent dans les placards. Mais il y a quand même le spot au-dessus de la douche, le spot au-dessus des WC qu'il faut bien arriver à passer. C'est de mettre des goulottes. Qu'est-ce qu'on a là? On a une grosse lumière qu'on va mettre au-dessus de l'entrée qui va éclairer un peu le salon. Donc voilà, donc hier soir j'ai repassé ça. Et là on va continuer l'isolant. Donc là comme vous voyez, donc le pare-vapeur est bien mis. On
j'ai mis les petits CP de 5 pour bien renforcer. Et après, on pourra mettre le contreplaqué dessus et visser à travers. Voilà, donc on va continuer ça. On vient de finir de mettre le pare-vapeur. Alors partout sauf sur le mur côté passager, parce qu'on attend toujours notre store depuis 3 semaines. Donc on fait 100. Et du coup là on va mettre, je coupe la première plaque de USB au fond, juste pour en mettre qu'une étant donné qu'il n'y a que ça là-bas qui est fermé. Et après on va les mettre dans l'autre sens, juste en provisoire. Reste avec nous. Ouais, juste en provisoire parce que samedi on se sert du camion pour déménager. Et du coup, il nous faut le sol, oui, impérativement. Il nous faudrait voilà, du sol stable. Donc même s'il y a des plaques qui sont juste enclenchées, voilà. C'est juste histoire qu'on n'abîme pas Liège. Je recoupe la languette pour que ça soit propre. Et je mets à peu près entre 8 mm et 1 cm de jeu sur la largeur. Donc ça fera 4 à 5 mm de chaque côté. Et comme ça, je pourrais mettre un petit peu de colle pour le bloquer. C'est pour que le plancher en USB soit flottant. Qu'il ne soit pas bloqué. On a quasiment fini de mettre le pare-vapeur. Il manque juste ce côté-là qui est en attente parce qu'on attend toujours le store. Désolé pour le spot. Hein ? Je dis désolé pour le spot là-haut. Oui, on travaille un peu de nuit là. Et donc du coup là on s'apprête à couper l'OSB pour pouvoir faire le plancher. Donc on va mettre 8 mm de jeu autour parce que les normes c'est entre 8 et 10. Donc vu que la surface est quand même assez petite, on va mettre 8, ça devrait aller. Et donc là je suis en train de couper la languette pour qu'on soit propre. Et après je le coupe donc à 2285, c'est la cote que j'ai trouvée pour avoir 8 de chaque côté. Donc là on va couper toutes les plaques qu'il faut pour le sol, comme ça on va les empiler au fond, faire un peu de place là. Et on espère que le store va arriver pour qu'on puisse finir le mur et puis tout étaler et qu'on puisse marcher sur quelque chose de stable, qu'on n'écrase pas trop le liège. Voilà, c'est parti, on va se couper. Et hop là, reste avec nous. T'avances pas trop sur la planche. On va retourner la plaque, ce qui est pas chose aisée dans le camion vu qu'elle est plus grande. Le camion. Donc il faut que tout le gros œuf soit fait quand même, hein, qu'on puisse être un peu plus à l'aise. Il faut avoir des gros trucs à remuer. Ça fera pas mal, mais on n'y est pas encore. Mais bon, j'ai mis aussi proche. Je dis si je peux te reculer quand même. T'es au bout du tas de bois. J'ai dit au bois que c'était sympa. Mais... 'est la chute qui on la garde bien de côté, donc je fais exprès de garder le côté rainure. C'est ce que j'avais prévu sur mon calpinage des plans. Le calpinage, c'est la répartition des panneaux. Je vais bien gérer la chute. Qu'est-ce qu'il y en aura besoin pour faire l'estrade qu'on aura pour la salle de bain. On vous expliquera ça en temps voulu. Il faut garder un peu de surprise pour la suite quand même. Pas tout dire tout de suite. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire et nous y répondrons avec plaisir. Ciao, ciao !